Jamais les larmes d'une maman n'arrivent au sol sans passer par les joues de Jésus. C'est magnifique. Magnifique. Soyez-en fiers, chère femme. À nous, ça passe par les cheveux. Faudrait-il qu'il en ait. En tout cas, je veux, au nom de tous ceux qui m'ont aidé, car je ne suis pas le seul. Je veux associer tous ceux qui m'ont aidé, tous les routiers, tous ceux qui m'ont aidé à la direction, Ludo, ceux qui ont été au secrétariat. Et je voudrais aussi dire un grand merci à quelqu'un qu'on ne fait pas toujours merci, c'est Aritia qui a lavé les toilettes pendant 3 semaines. Je trouve qu'on n'a pas fait attention à ça, mais discrètement, il l'a fait. Parce qu'il nous aide. Merci, Aritia. Je veux dire merci aussi à Pietro Gaspard, à tous les diacres qui m'ont aidé. Je suis sûr aujourd'hui que l'école des catéchistes ne mourra pas. Elle ne mourra pas parce que le Seigneur nous a donné des personnes compétentes. Compétentes en sainteté. Compétentes, je répète, compétentes en sainteté. Parce que la compétence ne se juge pas au diplôme. Elle se juge en sainteté. Car on n'est pas venu ici pour avoir une licence. On s'en fout, on va être licencié. On est venu ici pour la sainteté. Et j'espère que vous partirez avec un petit bout. Vous avez cueilli ici le fruit de la sainteté. Parce que moi, j'ai cueilli la sainteté en vous. Vous pouvez dire, vraiment cette année, vous m'avez aidé à la sainteté. Vous m'avez aidé à me réconcilier avec moi-même, avec toutes les attaques, avec tout ce qui se passe autour de moi. C'est vos visages qui m'ont donné la paix. Merci. On revient encore l'année prochaine. Écoutez, alors vous allez méditer les mystères lumineux. Si déjà avec la douleur, vous êtes lumineux, alors vous allez méditer l'année prochaine. On n'aura plus besoin d'allumer les lumières en classe. Vous serez des ampoules partout. Il n'y a pas besoin de partir à prix. Voilà, alors, je vous encourage tout simplement, quand vous traverserez des moments difficiles là où vous êtes, de penser à cette école. De penser là-bas. De penser à la flagellation, à tout ce que Jésus a vécu par amour. Et alors vous aurez la force de passer les épreuves. Parce que vous aurez vu que vous êtes aimé à la foule. Et pardon si nous aussi, pendant ce temps-là, nous n'avons pas été à la hauteur de la sainteté pour nous. Pardon. On a essayé. On a mis le meilleur de nous-mêmes. Et en tout cas, c'est le message que je vous laisse. Priez pour Muriel et moi, demain au matin, on prend l'avion pour la Calédonie. En mission, oui. En mission, et voilà. Je leur ai juste demandé de me donner 4 jours pour dormir. Et ensuite, alors, les missions sont souvent très, très, très grandes et très, très intenses, parce que là, le père Antoine, le supérieur Maris, qui est passé,
Je vous demande maintenant de prier dans un endroit où nous sommes en vie des moments difficiles, parce que lui-même, il sent que c'est lourd là où il habite. Et alors, je vous demande de ne pas nous oublier. On se sent si pauvre et si petit quand on parle comme ça. C'est au Seigneur à nous bénir. D'accord, on va se tenir la main et on va chanter. Je vous demande au Rabbi Ranota de nous aider à chanter notre Père qu'on va chanter ce soir. Thank you.